Décidément, LCI sombre de plus en plus dans la propagande. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder l'émission Un œil sur le monde présentée par Julien Arnaud sur la chaîne LCI. Et à un moment donné, quelque chose m'a troublé et je me suis dit, je vais aller vérifier. Quelle fut ma réaction lorsque j'ai commencé à me renseigner et découvrir que les journalistes étaient en train de mentir. Le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France, et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, Macron, Matstaff. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali. D'après les journalistes et son équipe, il n'y a pas eu de manifestation ce samedi. Du coup, je me suis amusé à regarder s'il n'y en avait pas vraiment une. Ce qui est intéressant, ce qui est croustillant, c'est que j'ai trouvé plein de choses. Je suis tombé sur Florian Philippot. Florian Philippot, c'est ce monsieur qui est juste en haut. C'est le président du parti Les Patriotes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, samedi, il a manifesté. Et les Français qu'on voyait dans la vidéo soi-disant propagande russe, ben, c'était lui. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc, c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que tout se passe comme prévu. En fait, c'est encore ce qu'on dit sur la télé. Ça bégaye la menteuse! N'oubliez pas, quand vous allumez la télévision et vous regardez les informations, c'est uniquement pour prendre un pot de pop-corn pour déguster leurs mensonges. Et puis bien évidemment, restez connectés, nous continuerons à les traquer, ces menteurs.